Madame, Monsieur, bienvenue à tous. C'est pour ce nouveau point de l'actualité africaine. Pour commencer, la proposition de l'Algérie à Abidjan d'inscrire la cause palestinienne au programme de toutes les activités parlementaires africaines a été largement saluée par les membres du comité exécutif représentant 22 pays membres de l'Union parlementaire africaine, indiqué un communiqué du Conseil de la Nation. Au moins 16 personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une attaque attribuée aux rebelles des forces démocratiques alliées dans l'est de la République démocratique du Congo, selon les sources locales. Les Nations Unies effectuent depuis mardi une mission à Bangui, capitale centrafricaine, pour évaluer les besoins électoraux en République centrafricaine, a annoncé hier la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Au moins 14 personnes ont été tuées, 17 autres ont subi des blessures graves mercredi soir lorsqu'un camion a percuté plusieurs véhicules dont un minibus dans la région de Mbeya, dans le sud de la Tanzanie. Et puis l'effondrement d'une mine dans le centre du Nigeria dû à des pluies torrentielles a fait au moins un mort et bloque depuis 4 jours 30 mineurs sous terre, a déclaré un responsable des services de secours de la région. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci à vous tous de l'avoir suivi.